Voilà, je suis donc devant l'ancien palais de Benayed. La famille Benayed donc était une famille qui avait succédé aux familles de Mejlud, lesquelles avaient succédé aux familles de Ben Semmoumen. Les Ben Semmoumen et les Mejlud étaient donc de famille de rite ibadite. Par contre, Benayed était une famille d'Irbienne de rite malikite. Et cette dynastie donc de Benayed avait gouverné Diarba de 1748 jusqu'à 1758 jusqu'à 1848 à peu près. C'était un gouverneur et à la fois précepteur d'impôts, la famille Bayad. Il avait donc aussi, c'était donc le caïd, le gouverneur était donc un homme très influent et qui avait donc des rapports avec la famille Bellical, de même avec donc pas mal de consuls européens. Et il avait une grande fortune et richesse. Alors après donc après donc le dernier caïd de Belayed avait été déchu de ses fonctions, la famille avait donc déjà qui avait déjà un grand nombre immigré à Tunis, la capitale. Donc la famille Belayed on en trouve en grande partie plutôt à Tunis, dans la grande médina de Tunis. Voilà donc ce qui reste, les ruines qui restent de cet ancien palais de Benayed. Là, c'est un monument, ouais, un monument donc dire bien, un monument historique. Voilà ce palais de Benayed. Je ne sais si donc l'Institut national du patrimoine pourra un jour nous restaurer ce palais qui est vraiment un vrai patrimoine d'Irvien et même national. D'ailleurs, sa grandeur, le luxe qu'il y a à l'intérieur de ce palais témoigne justement de la grandeur même et de l'influence même de cette famille-là, la famille de Benayed. Le palais.
Voilà, le portail est entré à ce palais. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Il me semble que ce soit l'ancienne écurie du palais, le bâtiment annexe au palais. Salam alaikum. Salam alaikum.